Oui, donc je leur dis, en fait, je le dis, parce qu'il faut le répéter pour que ça rentre. Eh bien, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Rodriguez, hein, au sujet des Gilets jaunes. Dire que les Gilets jaunes sont un mouvement antisémite, pas du tout d'accord. Je sais qu'il y a des antisémites dans les Gilets jaunes, je sais qu'il y a des anti-islam dans les Gilets jaunes, mais je sais aussi que, et j'espère, mais de toute façon, je pense que ça se vérifiera par la suite, il y a des musulmans chez les Gilets jaunes, il y a des juifs chez les Gilets jaunes, puisque c'est un mouvement, de toute façon, ça existe en Israël, le mouvement Gilets jaunes maintenant. Ça existe partout, j'ai envie de dire. Et c'est bien heureux parce que ça veut dire que les gens commencent à, tu vois, à réfléchir par eux-mêmes et à se dire, bah, c'est pas parce qu'on me sort une version que c'est forcément la bonne. Et aussi, mon histoire familiale, je dois l'interroger. Ah oui, en Allemagne, il y a des juifs, mais ces juifs-là n'ont pas autant d'impact parce qu'ils se cachent, en gros. Quand dans ta propre famille, tu as des ancêtres juifs, tu le sais pas. En Allemagne, c'est comme ça que ça se passe, c'est l'apparence. Donc après, bah en fait, tout est caché, quoi. Et en France, le monde s'affiche. Alors, je trouve ça personnellement très bien. Le problème, c'est qu'après, on pointe du doigt. On dit, attention, ceux-là, c'est des terroristes. Ceux-là, c'est des dangereux. Et en fait, quand on pointe tout un peuple du doigt, eh ben, ça s'appelle en fait de la manipulation. On te sort un peuple. Alors, Emmanuel Macron a parlé du peuple kurde pour dire, ce sont des terroristes. Alors déjà, il faut faire la distinction entre PKK, YPG, tout ça, et kurde, on va dire. Mais de toute façon, les gens, quand les Turcs nationalistes sont racistes pour la plupart envers les Kurdes, ils se trompent, en fait. Parce qu'ils sont de la même religion, islam, ils sont donc dans le Dar es Salaam, et en plus, ils sont sunnites. Donc là, faut arrêter. Voilà, je veux dire, franchement, faut arrêter. Vous êtes frères, donc voilà. Après, on a le droit de ne pas être d'accord politiquement. Moi, je pense que les pays ont été. De toute façon, ils peuvent se contredire, ils peuvent s'en aller, ils peuvent disparaître, ils peuvent revenir, ils peuvent. Tu sais, c'est pour ça, le Kurdistan, c'était un pays qui existait avant. Maintenant, il n'existe plus. Il existe dans les cœurs, et les Kurdes sont de nationalité. Alors, c'est pareil sur tous les continents. Ils sont Syriens, Irakiens, Iraniens ou Turcs. Les Turcs à Lévis, par exemple, sont Turcs. Hein. Donc. Eux, ils sont un peu d'une religion, bon, un peu à part de l'islam, mais en même temps, c'est l'islam pour nous, parce que c'est vrai que, en fait, disons que c'est ambigu quand même. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec ces gens-là, et personnellement, je me sens très bien. D'ailleurs, je en profite pour saluer ce Turc nationaliste et fier de sa race qui n'avait rien contre le Kurdistan. Parce que lui, il a tout compris. Lui, j'ai envie de t'embrasser, mon frère. Parce que tu as tout compris. Voilà, donc en fait, je pense sincèrement qu'il y a un progrès de l'humanité, et c'est le progrès social maintenant. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir un clochard dans les rues. Il devrait y avoir que des gens. L'État devrait prendre en charge les gens, devrait donner du travail à tout le monde et arrêter de délocaliser en Chine. Surtout que si pour la Chine, tu représentes juste un patron qui vient planter sa tente parce que tu vas te faire du bénéfice sur les autres, en payant 60 centimes le mois à un Chinois, franchement, arrête tes conneries. Et arrête de dire c'est pour le patriotisme de la France. Des Français et des Chinois, franchement, non. Voilà, donc la France des valeurs, enfin, on dira toujours oui, mais le reste, non. Et de toute façon, on a le droit de dire non. Parce que le principe en France est la langue de Molière. La langue de Molière. Et ben Molière, justement, il s'est fait détruire par la France, parce qu'il allait contre la Compagnie du Saint-Sacrement, dont faisait partie Louis XIII, Anne d'Autriche, sa femme, et Gaston d'Orléans, entre autres. Donc voilà. Voilà, je vais dire franchement, les plus grandes têtes de la France ont toujours été des gens qui se sont fait bannir, quoi. Franchement, bon, tu vois Depardieu qui est parti en Suisse, ensuite en Russie. Bon, après, on dit du bien, du mal, on s'en fout. Je veux dire, voilà, c'est juste Gustave Courbet, voilà, bon, il fait des courbettes, on sait tous que, voilà, regarde l'origine du monde, tu verras, franchement, tu m'en diras des nouvelles, quoi. Franchement, ne regardez pas si vous êtes, si vous êtes pratiquant d'une religion, ne regardez pas, parce que ça craint quand même. C'est une peinture pornographique. Hein. Ensuite, donc à la base, c'était dans les toilettes. Et franchement, quand on regarde Jean de La Fontaine, il critiquait le roi, etc. Donc il critiquait la France. Qui n'a pas critiqué la France dans les grands représentants de la France, justement? Et c'est ça que je trouve bien en France, c'est qu'on a le droit de critiquer. Ce qu'on a peut-être moins le droit de faire ailleurs. Bon, après, voilà. En France, disons, on est franc. Tous autant qu'on est, en fait, il y a beaucoup de franchise. Après, des fois, ça part en couille, on est d'accord, parce qu'il y en a qui s'insultent, il y en a qui veulent qui font des menaces de mort, etc. Mais malgré tout ça, c'est vrai qu'on a quelque chose. Les Turcs en France,
Alors, ils peuvent te faire des menaces de mort, mais ils ont quelque chose de bien, c'est qu'ils sont francs, quoi. Après, bon, voilà, quoi. En Allemagne, c'est... Enfin, des fois, ils sont gentils, mais c'est un peu parce qu'ils ont des préjugés aussi. On a tous des préjugés. Mais nous, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont directs. Alors, des fois, c'est pas forcément bien. Mais après, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie quand même, parce qu'on cherche à copier l'Allemagne, on cherche à copier, tu vois, la réussite sociale, donc les prostituées, le capitalisme par excellence. Tout ça, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. On va trop loin. On voit bien qu'on se casse la gueule, quoi. Ça veut pas... Un monde basé sur le physique, c'est pas un monde qui survit. On n'est pas des robots. Donc voilà. Donc tout ce qui se passe là, je pense qu'un pays se détruit quand il détruit les cultures qu'il a différentes et tout. Et attention, j'ai pas dit qu'il fallait favoriser certaines cultures, certaines sectes, etc. J'ai juste dit qu'il faut prendre le paramètre humain et faut arrêter de donner raison à des connards. Surtout quand tu vois bien que tu connais mieux, par exemple, la Bible qu'eux. Mais quand je dis la Bible, c'est vraiment les écrits de base, par exemple, ou le Coran, etc. Puis à un moment donné, faut être gentil. Mais il faut pas être con, quoi. C'est-à-dire, faut être, voilà, faut répéter les choses et faut que les gens s'instruisent par eux-mêmes aussi, mais il faut que la révolution se fasse culturellement, quoi. Et ça, c'est vrai, Jean de La Fontaine, Molière, j'en ai sans doute oublié, tous ces gens-là étaient, ben, même Victor Hugo était un critique. Voilà.